C'est le week-end de la Pentecôte. C'est le week-end de l'Esprit Saint. Ça ne veut pas dire que l'Esprit Saint n'est pas là le reste du temps, mais c'est une opportunité supplémentaire d'apprendre à mieux le connaître et de réclamer sa présence en nous. Et ce qu'on peut dire ce matin, viens Saint-Esprit en assemblée. Viens Saint-Esprit. Amen. J'ai intitulé mon message du jour, le Saint-Esprit à consommer avec modération. Point d'interrogation. On va lire pour cela 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 4 à 11. Il y a diverses sortes de dons spirituels, mais c'est le même esprit qui les accorde. Il y a diverses façons de servir, mais c'est le même Seigneur que l'on sert. Il y a diverses façons d'agir, mais c'est le même Dieu qui opère toutes en tous. En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. L'Esprit donne à l'un de parler selon la sagesse et à un autre, le même Esprit, donne de parler selon la connaissance. Ce seul et même Esprit donne à l'un la foi et à un autre le pouvoir de guérir les malades. L'Esprit accorde à l'un d'accomplir des miracles, à un autre le don de transmettre des messages reçus de la part de Dieu, à un autre encore la capacité de distinguer les faux esprits du véritable esprit. À l'un, il donne la possibilité de parler en des langues inconnues, et à un autre, la capacité d'interpréter ces langues. C'est le seul et même esprit qui produit tout cela. Il accorde à chaque personne un don différent, comme il le veut. Amen. Le Saint-Esprit, c'est pas un sujet évident à prêcher. Autant nous sommes tous d'accord ce matin pour reconnaître que l'Éternel est Dieu, est Père, Fils et Saint-Esprit. On le confesse, on le dit dans nos chants, ça fait partie de toutes nos liturgies. On l'invoque. Autant dans ces manifestations, la façon dont il se manifeste en chacun, dont il agit dans l'Église, cela peut susciter débats et controverses. Débats et controverses dans l'Église avec un grand E, mais au sein même de notre communauté, il peut y avoir des sensibilités différentes sur les manifestations de l'Esprit Saint. Certains ont peur de perdre le contrôle. D'autres qui ont peut-être été témoins de dérives dans d'autres milieux d'église, dans des conventions, redoutent que ces dérives ne viennent jusqu'ici. Et puis il y en a d'autres qui sont avides de vivre ce qu'ils ont entendu de témoins de chrétiens bouillants, fervents, mais qui n'ont pas reçu à la première personne. Ils ne l'ont entendu que par oui-dire. Ils ne l'ont vécu que par procuration. Ils ont envie d'être au bénéfice de cet Esprit Saint. C'est ce que nous pouvons vivre ce matin, pendant ce temps de Pentecôte, et c'est ce que nous pouvons vivre lundi, au cours de ce festival, qui va réunir les trois communautés chrétiennes de Saint-Germain. Nous allons tous plier les genoux et reconnaître que Jésus est notre Seigneur et Sauveur et réclamer son Esprit Saint avec nos frères et sœurs catholiques, nos frères et sœurs évangéliques de l'Assemblée de Dieu. Et je suis sûr qu'il va souffler avec puissance sur la ville de Saint-Germain. Amen. Nous échangeons cette semaine avec les responsables d'un ministère. Et ces responsables faisaient le constat que nous étions une communauté modérément charismatique. Alors j'ai un peu tiqué sur l'adverbe « modérément ». Je me suis dit, qu'est-ce qu'on entend par ce « modérément » ? Si je vous demande ce matin, est-ce que vous voulez que le Saint-Esprit se manifeste en variant l'intensité, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ? Il y a quelques à la folie qui sont lancés timidement du fond du temple. Non, comprenez bien, il ne s'agit pas de faire varier cette intensité. Le Saint-Esprit se donne pleinement à chacun, il se donne à notre communauté. Et nous l'accueillons avec joie, il a toute sa place ici, c'est lui qui règne. Amen. Mais ces manifestations, c'est ce que voulaient dire ces responsables, ces manifestations, elles sont modérées.
Elles sont modérées comme on modère aujourd'hui un site internet ou un réseau social, pour qu'il y ait une cohérence éditoriale et éviter les excès. Dans l'Église, il ne se passe pas la même chose dans un entretien libéré, dans un binôme de prière, dans un groupe de prière, que dans le culte de 9h ou de 11h. Nous avons un Dieu qui fait irruption, qui est parfois déroutant, mais aussi un Dieu d'ordre, qui fixe un cadre pour se manifester et pour agir. Et donc il faut modérer cela pour que le Saint-Esprit puisse agir de manière efficace, qu'on puisse l'entendre comme il doit être entendu. Si le sujet est aussi délicat et qui fait débat dans nos églises, c'est parce qu'il faut distinguer la part humaine, la part divine et parfois la part des ténèbres qui cherchent à s'immiscer dans ce que le Saint-Esprit cherche à nous dire. C'est pas évident. Et c'est une responsabilité lourde pour l'équipe pastorale, pour le conseil, de trouver l'équilibre entre la régulation dont je viens de parler et la censure. On peut vite passer de la régulation à la censure. Et pourquoi c'est une responsabilité si lourde? C'est que l'enjeu, c'est d'entendre la voix de Dieu. Et donc, si on ferme, on cherche à verrouiller tout cela, on loupe des choses. On ne laisse plus l'espace à Dieu dont il a besoin pour se déployer. Quand on a eu cette discussion, après ça m'a interpellé, cet adverbe m'a interpellé, et je l'ai fait tourner un peu comme ça dans ma tête, et je me suis dit à Saint-Germain, quels sont les charismes qui sont les nôtres, que le Saint-Esprit nous a donnés, et ceux auxquels on peut aspirer de manière communautaire. Et puis vous avez vu dans ce passage, il y a d'autres listes de dons, dans d'autres épîtres de Paul et ailleurs dans le Nouveau Testament. C'est pas forcément une liste exhaustive, il y a peut-être c'est peut-être des têtes de chapitre avec d'autres dons qui sont les corrélats de cela. Mais là, il y a trois types, il y a une typologie qui a été faite de ces dons, avec des dons des charismes de révélation, des charismes d'inspiration et des charismes de puissance. Et quand je scannais un petit peu ce que je connais de l'Assemblée, je ne prétends pas la connaître, alors je ne suis arrivé qu'il y a quelques mois, je me disais qu'on avait peut-être mis l'accent sur les charismes de révélation, la sagesse, la connaissance, peut-être les charismes d'inspiration dans des cadres privilégiés, sécurisés, la prophétie, le discernement, mais qu'on était peut-être un peu frileux sur les charismes de puissance, la foi qui déplace les montagnes, les guérisons, les miracles, les prodiges, peut-être un peu sur la réserve. Et moi-même, j'ai été poussé dans mes retranchements par certains d'entre vous sur ces charismes de puissance. Il y a des choses que j'aurais pas faites et que j'ai fait parce que certains ont eu l'audace d'écouter l'Esprit Saint et de faire des choses qu'on n'aurait pas faites autrement. Donc je les ai accompagnés parce que je savais que c'était inspiré. Certaines choses que je me serais pas vu faire moi, mais certains avaient ce don de la foi à ce moment-là, je les ai suivis. Et puis, il y a le parler en langue. Le parler en langue, c'est peut-être la controverse dans la controverse. Ça fait peur, le parler en langue. Alors qui, comment, dans quel contexte, pourquoi, à quoi bon? On peut parler en langue au temple de Saint-Germain. Certains d'entre vous parlent en langue. Certains d'entre vous chantent en langue. Donc demandez ce don, demandez ce charisme. De manière communautaire, il y a des règles qui ont été fixées dans le Nouveau Testament. Si quelqu'un parle en langue, ça doit être interprété pour que cela fasse sens pour tout le monde, que tout le monde comprenne. Si on est dans la louange personnelle, si on est dans une prière adressée à Dieu, dans notre cœur ou à voix basse, aucun problème. Mais s'il y a un message de la part du Seigneur, il doit être interprété.
Bref, n'ayons pas peur de ces charismes et saisissons peut-être cette opportunité de Pentecôte, aujourd'hui même et lundi pendant le festival, pour demander à l'Esprit-Saint de nous sortir de notre zone de confort. C'est un peu sa spécialité à l'Esprit-Saint, nous sortir de notre zone de confort, et de nous laisser surprendre à travers un don auquel on n'a peut-être pas aspiré jusqu'à présent, mais qu'il puisse nous le donner. Demandez et vous recevrez. J'ai eu récemment une autre discussion avec la famille américaine qui était en visite il y a 10 jours. Et puis, c'était accompagné d'un couple que je ne connaissais pas, que nous ne connaissions pas. Et puis, on a commencé à discuter des maladies qu'on peinait à soigner. Et il nous disait qu'outre-Atlantique se développaient des nouveaux traitements en cours d'élaboration à partir de substances psychédéliques. Voilà. Donc on en est venu à parler de magic mushrooms, de champignons hallucinogènes, de LSD. Alors il ne méconnaissait pas les méfaits de ces substances, si ce n'est pas sous contrôle médical, puisqu'apparemment ça commence à être sous contrôle médical aux États-Unis et au Canada. Et en même temps, ils essayaient de lister les vertus. Ils nous disaient, ça permet d'entrer dans une réalité parallèle, ça permet d'avoir une lucidité, une extra-lucidité pendant un temps, et puis un sentiment d'échapper, une forme de bien-être, de réconfort, mais pour un temps limité. Et puis la discussion a dérivé sur l'Esprit-Saint. Et comme les deux discussions se sont enchaînées, on a commencé à faire la comparaison. L'Esprit-Saint est-il une drogue dure? Bon, c'était un peu surprenant comme angle, mais on s'est laissé entraîner avec Lara. On a essayé de répondre à la question. On a dit que nous aussi, on vivait des choses. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans Acte 2, quand l'Esprit-Saint arrive dans cette chambre haute sur les disciples, et qu'ils rejoignent la foule, il y en a certains qui sont émerveillés, qui communient, et puis d'autres qui sont complètement extérieurs à cela, et qui disent, mais ils ont bu, ils sont complètement ivres. Aujourd'hui, on dirait, mais qu'est-ce qu'ils ont fumé? Bon, si vous sortez d'ici et que les gens dans la rue vous demandent ce que vous avez fumé, c'est pas forcément mauvais signe. Alors, le Saint-Esprit est-il une drogue dure? Non. Non, parce qu'il ne nous aliène pas. Il est là pour nous libérer. Le Saint-Esprit n'est pas une drogue dure parce qu'il ne nous conduit pas dans un paradis artificiel, mais il est là pour donner un nouvel éclairage à nos réalités, pour nous guérir, pour nous restaurer. Il est là pour nous montrer la réalité du royaume. L'Esprit-Saint n'est pas une drogue dure parce qu'il n'y a pas d'effet secondaire néfaste. Et en plus, c'est gratuit. Surtout, l'effusion du Saint-Esprit ne nous enferme pas dans un repli sur nous-mêmes délétère, comme peuvent le faire ces drogues, comme dans un bad trip. Mais cette effusion sert le bien de tous. De la même façon, l'Esprit-Saint n'est pas là pour entrer dans un délire de toute puissance, mais il invite à l'engagement et au service. Et alors, par-dessus le marché, il combat nos addictions à nos côtés. C'est parfois instantané, et c'est souvent, pour ne pas dire la plupart du temps, un processus dans lequel il nous accompagne. Bref, le Saint-Esprit n'est pas une drogue dure. Ne vous en privez pas. Amen. Une autre dimension que Paul met en évidence dans ce passage, c'est que l'Esprit est un. Il y a un seul et même Esprit. Il revient, il scande son passage par cela. Il y a un seul et même Esprit. Paul insiste sur cet aspect, il met en tension avec les diverses sortes de dons, les diverses façons de servir, les diverses façons d'agir. Et de la même façon que nous sommes tous uniques, nous ne sommes pas identiques, même les jumeaux,
L'Esprit s'adresse à chacun de manière personnelle, de manière individualisée. C'est pour ça que moi je me méfie des phénomènes de foule, du mimétisme, de la transe, du conditionnement auquel on peut assister parfois. On peut entrer dans cette transe dans un concert à Bercy, à La Défense. J'étais moi-même à un concert hier soir. Mais la transe dans laquelle on entre dans un concert de Taylor Swift ou de DJ Snake, c'est pas celle de l'Esprit-Saint. Alors oui, il y a une ferveur, mais c'est pas celle de l'Esprit-Saint. J'ai assisté à des conventions très étranges quand j'étais adolescent. Mes parents avaient cette quête de l'Esprit-Saint. On a fait des conventions où il se passait des choses très fortes avec des fruits merveilleux, des guérisons, des miracles, et puis d'autres qui n'étaient pas ajustés du tout, où il fallait systématiquement tomber par terre, systématiquement parler en langue, systématiquement avoir des manifestations où on était un peu extatique, et j'étais hyper mal à l'aise, et je me demandais ce que c'était ce délire, hein, un peu comme Acte 2, mais là, à raison. Et j'aurais pu jeter le bébé avec l'eau du bain. J'aurais pu jeter le Saint-Esprit avec l'eau du baptême. Mais j'ai décidé d'aller au-delà, de vaincre mes peurs, mes résistances, parce que j'avais vu du bon d'un côté et j'avais vu des excès de l'autre. Et je pense que Satan se joue de ses excès pour essayer de nous faire vivre une foi, une petite foi. Une foi sans force, une foi sans puissance. Il faut vaincre ses peurs. Ceux qui ont vu des documentaires à la télévision qui caricaturent certains milieux évangéliques américains peuvent être effrayés de ce qu'ils ont vu. Et c'est tout à fait compréhensible. Et quand c'est ajusté, l'Esprit-Saint nous fait vivre une vie féconde. Une vie riche, une vie abondante, sans laquelle, sans lui, on est impossible, il est impossible d'entrer dans cette dimension qu'il nous propose. Invoquer l'Esprit Saint qui habite en nous, dès notre baptême, ou notre confirmation si on a été baptisé enfant, dans tous les cas, après être né de nouveau, c'est s'emparer de la promesse du Christ qui est faite en Acte 1. Vous recevrez une force. Et pas n'importe quelle force. Jésus dit dans Jean, au chapitre 14 et au verset 12, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. » Amen. C'est hyper puissant. Il y a certains, dans nos églises, ou certaines églises même, qui disent que tout ça c'était de l'histoire, c'est du passé. C'est ce qu'on appelle les cessationnistes. Oui, Jésus a accompli des miracles, l'Esprit-Saint a soufflé à l'époque, mais c'était pour une époque donnée. Nous proclamons que notre Dieu est l'Éternel, qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce qu'il a accompli autrefois, il continue de l'accomplir aujourd'hui. Il veut se donner de la même manière. C'est ce que nous confessons ce matin. Oui ? Amen. Nous partagions vendredi soir, lors de cet apéro louange, chacun la façon dont nous ressentions l'Esprit-Saint. Il y avait des récits avec des similitudes, mais jamais deux récits identiques. L'un disait « Quand je sais que l'Esprit-Saint habite en moi, qu'il pose une parole sur mon corps, sur mon cœur, je ressens une chaleur, je ressens une paix intérieure, je ressens de l'électricité, je ressens l'accélération de mon rythme cardiaque, je ressens une conviction profonde, je ressens mille manifestations possibles de l'Esprit-Saint. » Ça peut être un vent violent, mais ça peut aussi être quelque chose de très léger, de très doux. Il n'y a pas de systématicité de l'Esprit-Saint.
Il s'adresse à chacun en fonction de lui, en fonction de ce qu'il est prêt à accueillir. Il est profondément respectueux du temple que vous êtes. Alors, c'est pas de l'ergotisme comme on a vu au Moyen-Âge. C'est pas non plus une nouvelle substance psychoactive qu'on aurait mis dans les espèces de la Seine. Ce sont les manifestations corporelles de l'Esprit-Saint. Ça veut pas tout dire qu'il faut systématiquement des manifestations corporelles, mais le Saint-Esprit se manifeste dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit. Et il y a parfois ces manifestations palpables, sensibles. Dans tous les cas, éprouvez. Éprouvez ce que vous êtes en train de vivre pour ne pas vous laisser duper par le falsificateur qui peut faire vivre des expériences extatiques lui aussi, mais au nom d'autres esprits. N'éteignez pas l'esprit. Il veut vous éclairer. Dans ce passage, Paul explique aussi comment l'esprit s'y prend pour construire son église avec un grand E et son église avec un petit E. Il se donne entièrement à chacun, je l'ai dit tout à l'heure. Mais ces dons sont comme les pièces d'un puzzle qui doivent coïncider, qui doivent s'enchevêtrer pour révéler son plan, le plan de Dieu, sa volonté, son dessein. C'est le remède contre la toute-puissance. Vous connaissez tous le récit de Babel, où les hommes ont élaboré leur propre plan pour se mettre au niveau de Dieu, avec leurs propres outils, leurs propres instruments. À l'époque, on parlait la même langue. Et puis, il y a eu cette confusion qui est tombée sur eux. Ils se sont tous mis à parler des langues diverses. La Pentecôte, c'est l'inverse de Babel. Tout le monde parle sa langue. Il y a toujours cette diversité. Mais il y a une communion qui est permise par l'Esprit-Saint. Non pas pour le projet des hommes, mais pour le projet des dieux. Pour l'édification de son Église. Il va se servir de chacun de ses dons, pour construire son Église. Vous savez, en tant que pasteur, c'est ma première prière. Je viens ici souvent, en journée, pour proclamer combien notre Seigneur est grand, pour le remercier pour ce qu'il a accompli en Jésus, et puis je viens pour vous porter chacun, vous confier en prière, pour dire « Saint-Esprit, manifeste-toi, révèle-toi à chacune des personnes qui franchit la porte de ce temple. Seigneur, accorde tes charismes et tes dons à chacun pour que nous fassions église. » Et je sais que je ne suis pas le seul à prier en ce sens. Le conseil m'accompagne. Vous nous accompagnez parce que vous avez envie d'être au bénéfice de l'Esprit-Saint, qu'il se révèle. Je voudrais revenir sur l'articulation talent-don. On en parlait hier soir avec papa. Il y a parfois une corrélation entre un talent et un don, et puis parfois il n'y en a pas. Parce que le Saint-Esprit a besoin à ce moment-là que vous ayez ce don pour rejoindre telle personne, parce qu'il le souhaite ainsi. Mais parfois un don qui est mis au service de Christ et de l'Évangile, le talent peut devenir don. Vous savez que j'ai été diplomate pendant une quinzaine d'années. Le métier de diplomate, c'est de chercher le consensus. Donc par tous les moyens, je m'y suis employé dans mon travail, et puis tous au Quai d'Orsay, notre métier c'était de chercher le consensus. Eh bien ce talent que je mets maintenant au service de Christ, au service de l'Église, c'est non seulement chercher le consensus, mais aspirer à la communion. Fédérer l'Église, fédérer nos églises à Saint-Germain, fédérer au-delà. Et je pense que j'ai reçu ce charisme de l'Esprit-Saint de fédérer, d'unir. Certains peuvent avoir un talent pour la musique et recevoir de surcroît le don de la louange. Et puis certains peuvent avoir le talent de la musique et ne pas recevoir ce don de la louange. Il faut l'entendre. Et le réclamer, le cas échéant. Il y a peut-être des choses qui doivent être revisitées en nous,
sur notre ego, sur le fait de se présenter devant tout le monde. C'est un ministère particulièrement exposé, mais il n'y a pas que celui de la louange. On a tous un don. Le Saint-Esprit veut tous nous faire ce cadeau de ce don. Et là encore, il faut discerner entre les dons. Je voudrais vous partager une histoire. On avait une amie dans notre église, quand j'étais adolescent, qui nous disait, voilà, c'est étrange, je fais des massages régulièrement et je sens quand les gens ont une maladie. Elle n'a pas été encore diagnostiquée, moi je le sais. Et s'ils le souhaitent, je peux prier pour eux. Et j'ai assisté parfois à des guérisons. Mais elle me dit, je suis pas sûr de savoir d'où ça vient. Et en plus, ce don, il se transmettait de génération en génération. Ce qu'on lui a proposé, c'est de remettre ce don. Remettre ce don en disant à Jésus, s'il vient de toi, utilise-le. S'il ne vient pas de toi, ôte-moi ce don, qui n'en est pas un. Elle a prié en ce sens et elle n'a plus eu ce don. Il ne venait pas de Jésus, il venait des ténèbres. On a besoin du discernement sur les dons. C'est pour ça qu'il y a toujours un mandat intérieur, on croit être appelé à, ou on croit avoir reçu, et un mandat extérieur. Et l'Église sert à cela, à confronter. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu discernes aussi ce don ? Il y a eu une mode dans les années 90 où il fallait trouver absolument son don. On remplissait des QCM, etc. Et puis, on avait une réponse toute faite. Tu as tant de carrés, tant de triangles, tant de losanges. Bon, je pense pas que le Saint-Esprit s'y prenne comme ça. Mais plutôt dans le discernement collectif, communautaire. Et c'est l'appel du Conseil presbytéral. On discerne. Tu as reçu cela. Est-ce qu'on confirme ? Ou est-ce qu'on infirme ? Est-ce que c'est toi qui veux te mettre en avant ? Est-ce que tu es dans le désir, la tentation de la toute-puissance ? Ou est-ce qu'on te délivre un mandat au nom de l'Esprit-Saint ? Le Saint-Esprit dépasse nos logiques, nos raisonnements. Il vient nous donner une sagesse qui est folie des hommes. Il vient nous donner des paroles de connaissance sur l'histoire de quelqu'un parce qu'il a besoin de le rejoindre maintenant. Mais pas pour qu'on en soit propriétaire. Dès lors qu'il y a un intérêt personnel ou qu'on en tire une gloire, ce n'est plus l'Esprit Saint qui agit. Alors il y a quelque chose de surprenant et qui m'a profondément déstabilisé quand j'étais adolescent, où je voyais des faux prophètes accomplir des choses, alors peut-être au nom d'autres esprits, mais d'autres qui avaient vraiment l'onction. Le Saint-Esprit ne retire pas son onction instantanément quand il y a dérive. Ça, c'est surprenant. Vous savez que David avait l'occasion de tuer Saül, qui faisait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Mais il ne l'a pas fait, parce que l'onction du Seigneur était encore sur Saül. Bien parfois, il y a des serviteurs de Dieu qui ne sont plus serviteurs de Dieu, qui gardent cette onction un temps et que le Seigneur retire. Important de discerner. Je ne veux pas vous effrayer en disant ça. Je veux juste vous rappeler les dérives, les excès, et que nous ne soyons pas dans la peur de la crainte de ce que Satan peut faire, mais vraiment ouvrir ce canal à l'Esprit-Saint. Je vais vous proposer maintenant un temps où nous allons invoquer l'Esprit-Saint. Je vais inviter pour cela les membres du Conseil presbytéral qui le souhaitent à me rejoindre pour ce moment d'effusion.